Zimbanga makasi Soki usiki inga Ena kukuia Re Oli mwile kinga Ikote linga Tera motema Zimbanga makasi Soki usiki inga Ena kukuia Oli mwile kinga Ikote linga Tera motema Oye, oye, oye Tuvangana Tongo sa mama Oye, oye, oye Divendeo Itongo sa mama Ay, ay, ay Seme na muka nous oblige à prendre encore l'antenne et à partager avec vous quelques réflexions. Nous vous avons dit que nous allons faire réaliser ces émissions à temps et à contre-temps, donc nous n'avons pas encore un agenda spécifique. La deuxième chose que nous vous avons dit que dans cette initiative, nous allons aborder 4 volets. On va aborder des programmes ou des sujets qui vont répondre au rôle de la presse qui est d'informer, au rôle de la presse qui est de former, au rôle de la presse qui est de divertir, au rôle de la presse qui est celui de sauvegarder. Quand on dit sauvegarder, c'est-à-dire celui de rappeler aussi les mémoires, parce que il est de la nature humaine qu'on puisse oublier et parfois qu'on puisse oublier les leçons même de l'histoire la plus immédiate. Nous allons aujourd'hui vous aborder quelques sujets rapidement. D'abord, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, et on vient de l'apprendre à l'instant qu'il venait de sortir des prisons de la CPI pour sa résidence privée en Belgique, en attendant l'autre affaire sur la subornation des témoins. Nous allons aussi vous parler de cette grande rencontre qu'il y a eu entre le président américain Trump et le président nord-coréen
Kim et de l'impact géopolitique international. Nous allons aussi aborder, aussi on va chuter avec Kinshasa. On a reçu beaucoup de questions parce que comme nous vous avons dit que nous écrivons un livre sur Patrice Emery Lumumba, l'autre Lumumba, les gens sont revenus pour dire qu'en est-il de cet accord entre la RDC et la Russie? Et puis est-ce que le pouvoir de Kinshasa peut-il peut-il résister? Je vais d'abord commencer par certains principes. Vous savez, la géopolitique internationale, la politique internationale ou nationale est régie par des principes. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous disons que nous sommes de la RDC, que nous sommes dans un pays indépendant, ce sont des données à géométrie variable. C'est-à-dire que nous appartenons dans un macrocosme, nous appartenons dans un espace international et notre indépendance n'est une indépendance que lorsque nous tenons compte de certaines lois, de certains principes. Et lorsque nous allons à l'encontre de ces principes-là, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de beaucoup d'organisations, et bien ces organisations-là peuvent briser notre indépendance, entre guillemets. Donc, il revient pour les personnes qui gèrent le pays de le savoir. Et s'ils ne le savent pas, on l'a vu avec plusieurs exemples que souvent ils sont mis de côté volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Donc, je reviens sur les principes. Je vais énoncer deux principes. Le premier principe, c'est un principe de philosophie politique. Ceux qui en font partie ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Et le grand problème que nous avons actuellement, c'est qu'on a peut-être beaucoup de gens qui n'en font pas partie, mais qui disent qu'ils en font partie. Et ceux qui en font partie, qui font partie de ces choses-là, ne le disent pas très souvent. Mais à un certain moment, il faut le dire. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans les phénomènes de politique nationale ou internationale. On posait un jour la question à François Mitterrand. François Mitterrand, on lui disait que son ministre de la Santé, Kouchner, était en train de faire des choses formidables, notamment en créant les Médecins Sans Frontières. Et François Mitterrand a dit, vous avez dit que c'est mon ministre de la Santé. Donc, sachez que tout ce qu'il va faire là, il ne peut pas aller le faire moi, je ne lui donne pas le quitus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Donc, voilà, c'est que lorsque vous voyez certains événements arriver, il faut toujours avoir des lunettes de longue vue pour essayer d'analyser ces choses en profondeur. Malheureusement, le problème que nous avons très souvent, et surtout pour beaucoup de nos politiciens, c'est que très souvent, ils n'analysent pas les choses en profondeur. Nous prenons les choses un peu dans la superficialité. Je vais revenir un peu sur Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'on a vu Jean-Pierre Bemba être acquitté il y a quelques jours, et maintenant lorsqu'on le voit sorti de la prison, les gens pour la première fois ont sursauté et un nom revient sur sur toutes les lèvres, c'est le nom de l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines qui était aussi le chargeur d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Zaïre à l'époque, l'ambassadeur Herman Cohen. Les gens se réveillent pour se dire, mais qu'y a-t-il? Est-ce que c'est lui le maître du jeu? Là, nous allons vous étonner pour dire que peut-être que la chose est passée un peu inaperçue, mais vous souviendrez qu'il y a une année, les gens qui sont branchés sur les médias peuvent encore se souvenir de cette affiche, qu'il y a eu une conférence à Washington. Et vous pouvez la voir. Donc, la conférence a été tenue par l'ambassadeur Herman Cohen et M. Patrick Djembe. Et vous pouvez lire le titre de cette conférence. Le titre de cette conférence, Better Congo Conference 2016, organisée par Rebuild the Congo Group. C'est-à-dire que, et le thème de la conférence, c'est quelle feuille de route pour un Congo meilleur? Ça, c'était en 2006.
Mais peut-être la chose aussi est passée inaperçue, mais en même temps aussi à Kinshasa, en même temps, il s'était publié aux éditions Mediaspol les mémoires, la version française des mémoires de Monsieur Herman Cohen. Et là, vous voyez le titre, L'esprit de l'homme fort africain, mémoire d'un diplomate. Et c'est Herman Cohen. Rien que le père de Saint-Paul, de Mediaspol, qui ont fait le design de cette couverture. Lorsque vous voyez le design de cette couverture, commençons par de ce côté, vous avez Nelson Mandela, Oufouette Boigny, Laurent Désiré Kabila, Mobutu Sese Seko, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo. Mais de ce côté aussi, au bas de la page, vous voyez, ça commence par Samuel Doe. Ça va Kadhafi, Savimbi, De Klerk, ça dit tout. Et ce livre est passé pratiquement inaperçu, mais lorsque ce livre est sorti, c'est lui qui l'a lu, c'est lui qui a suivi la conférence tenue à Washington, animée par l'ambassadeur Herman Cohen et notre ami Patrick Djembe de Londres. Vont comprendre le développement des choses qui arrivent ou qui vont arriver. Tout simplement parce que, alors que nous, on voit les événements arriver au jour le jour, la diplomatie ne fonctionne pas comme ça. La diplomatie a toujours des longues fourchettes. C'est-à-dire qu'on essaie de voir plus loin, on essaie d'anticiper. Malheureusement, à l'époque, beaucoup d'entre nous n'avons pas anticipé. Au fait, beaucoup d'entre nous n'avaient pas respecté le principe qui dit que ceux qui en font partie ne disent rien, ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Voilà, aujourd'hui, Monsieur Jean-Pierre Bemba est sorti de prison et lorsque il a été acquitté, on s'est étonné que quelques semaines auparavant, l'ambassadeur Herman Cohen a écrit une lettre officielle et même publié par la presse à la CPI. Et lorsque vous voyez l'arrêt de la cour, vous allez sursauter parce que ça donne l'impression que, mais est-ce que c'est l'ambassadeur qui a dicté la cour ou est-ce que c'est la cour qui a su... Donc, mais ces choses ici se passent de cette façon-là. Maintenant, il faut voir l'implication de cette actualité-là sur ce qui pourrait arriver au Congo-Kinshasa, où depuis quelque temps, le régime de président Joseph Kabila est sur les traces du régime pratiquement de Mobutu. Lorsque vous analysez les derniers jours de Mobutu, on a vu que Mobutu a tripatouillé pratiquement, il a fait... On commençait à aller, comme disait le cardinal Monsengwo, alors président de la conférence nationale souveraine, avant de devenir président du HCRPT, on commençait à aller d'irrégularité en irrégularité. Et n'oubliez pas les Yankees, c'est-à-dire que les messieurs, la fois passée, j'ai dit que ce monde ici est parfois dirigé par des individus. Les messieurs qui dirigent le monde, à un certain moment, lorsqu'ils se sont là, ils se sentent lassés, lorsqu'ils se sentent fatigués, ces messieurs-là n'ont pas d'état d'âme. Avec tout ce que Mobutu avait fait pour les Américains, le jour où, et M. Mbanda a dit ça dans ses mémoires et dans ses vidéos, le jour où ils ont mis vu les Américains dépêcher à Kinshasa l'ambassadeur Bill Richardson dire à Mobutu expressis verbis, c'est-à-dire que carte sur table que vraiment vous devez démissionner sinon votre cadavre va pourrir sur les rues de Kinshasa. Mobutu n'en croyait pas à ses oreilles. Et les gens qui connaissent ces choses se sont dit, les Mbanda disent qu'ils ont dit à Mobutu qu'il était temps de laisser parce que lorsque un ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies est envoyé par le président des États-Unis venir dire ces choses-là, non plus dans un langage diplomatique, il faut le laisser. Mais Mobutu va commettre encore une autre bêtise. Et là, ça va me permettre à faire le pont avec ce qui se passe aujourd'hui avec la RDC qui renoue des accords militaires avec la Russie. C'est que au dernier jour de son pouvoir, Mobutu va vite voir son ami Jacques Chirac pour demander à ce que Jacques Chirac puisse venir le sauver. Et il a fallu la mort de Foucault
pour qu'on comprenne que dans les archives de Foucault, c'était la dernière mission de Foucault. Foucault voulait sauver Mobutu, mais ils n'ont même pas eu le temps de sauver Mobutu, que les Américains avaient déjà décidé de choses qui arrivent là. Donc, il faut savoir lire les signes de temps. Il faut savoir lire. Et le grand problème du pouvoir actuellement de Kinshasa, c'est quoi? C'est que d'avoir mis de côté les accords de la Saint-Sylvestre et le rôle, il faut vraiment pas minimiser le rôle de l'Église catholique dans la géopolitique internationale. Surtout dans ce cas précis, c'est pas l'Église catholique qui est allée chercher le président Kabila, c'est le président Kabila qui est allé chercher l'Église catholique. Et l'Église catholique, avant d'accepter cette mission-là, voyez, regardez encore les vidéos. Elle a fait le tour du monde. Ils sont allés au Vatican, ils ont vu les cardinaux secrétaires d'État, ils ont vu le pape, et ils ont été aux États-Unis, ils ont été ici, ils ont été à Bruxelles, ils ont été. Donc, quand l'abbé Donald Scholl a dit une fois qu'il y avait un plan B, quand on lui posait la question, il dit non, le plan B n'a plus sa raison d'être. Mais les gens qui connaissent ces choses-là savent que dans des telles choses, dans des, il y a toujours un plan B, il y a toujours un plan C, il y a toujours un plan D, il peut y avoir jusqu'à un plan F. Et le monsieur, le Britannique qui avait tenté le coup d'État au président équato-guinéen Simon Mann et qui a écrit ses mémoires ici, a dit que dans le cas de ces coups d'État en Guinée équatoriale, ça c'était le plan E. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au plan et malheureusement, ce plan avait aussi échoué. Donc, il y a plusieurs plans dans ce genre de choses. Donc, pour revenir sur ce que je disais, je vous ai dit que j'écrivais un livre sur Patrice Emery Lumumba. Et le rôle de ce livre-là, c'était que notre génération, ce qu'on appelle les enfants des indépendances, il est grand temps que nous puissions tirer les leçons des erreurs des pères des indépendances. Parce que l'histoire parfois se répète. Et lorsque l'histoire se répète, il est important de tirer les leçons des erreurs du passé. Et je vous ai dit qu'au sujet de ces erreurs que nous devons tirer de la période Lumumba et le reste, il y a un livre qu'il faut lire, sincèrement. C'est le livre de Thomas Kanza, Conflict in the Congo, The Rise and the Fall of Lumumba. Et je vous ai dit que Dieu merci que les éditions Présence Africaine viennent de traduire ce livre en français. Vous pouvez l'acheter. Je ne fais pas la publicité du livre, bien sûr, mais le contenu, le livre est publié maintenant en français, Ascension et Chute, Patrice Emery Lumumba par Thomas Kanza. C'est important. Important pourquoi? Comme je l'ai dit, mais ce Thomas Kanza dit dedans, je vous ai dit, dans le gouvernement Patrice Lumumba, il y a eu deux universitaires. C'est d'un côté Thomas Kanza et de l'autre côté Justin-Marie Bomboko. L'avantage de Thomas Kanza, c'est qu'il avait une certaine expérience déjà internationale pour avoir travaillé au bureau de marché commun à Bruxelles. Donc, il avait déjà une expérience internationale que Bomboko et que les autres n'avaient pas. Donc, il savait comprendre les choses, il avait une longueur d'avance par rapport à tous les autres. Donc, et l'erreur de l'une des erreurs de Patrice Lumumba, c'est que alors qu'il n'était pas communiste, on le sait, mais lorsque il s'est retrouvé dans la situation, il est allé d'abord aux États-Unis, il a voulu demander de l'aide aux États-Unis. Lorsqu'il a trouvé qu'il ne pouvait pas trouver de l'aide aux États-Unis, il s'est vite retourné vers l'URSS et il a demandé l'aide à l'URSS pour d'abord aller pour combattre la sécession katangaise, passant par la sécession du Sud Kasaï. On sait ce qui est arrivé. Les avions Ilyushin de l'URSS sont arrivés à Kinshasa. Les avions arrivés à Kinshasa ne pouvaient même plus décoller parce que il fallait qu'on puisse approvisionner cet avion-là en carburant. Et le carburant, c'était l'ONU. Actuellement, on a la MONUSCO. L'ONU, qui était la première mission des Nations Unies au Congo en ce moment-là, a refusé d'approvisionner en carburant les avions de l'URSS qui venaient aider Patrice Emery Lumumba. Et même les avions qui ont amené les militaires à Lulwabo en route pour le Katanga se sont trouvés immobilisés. Donc, aujourd'hui, avec imaginez-vous, on dit que le Parlement congolais a repris un accord qui a été signé il y a de cela plusieurs années. Mais attention, même la Russie aujourd'hui, elle n'est pas si sotte qu'on croit. La Russie ne va pas dire, mais cet accord a été signé il y a 3, il y a 4 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, subitement, vous venez avec ça?
Et les autres, parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est que lorsque les personnes qui ont l'habitude de fréquenter le Whitehall ici, le Whitehall, c'est la grande administration britannique, ou qui ont l'habitude de rencontrer certains politiciens britanniques sur le dossier congolais, les Britanniques, ils ne mettent pas de l'eau dans la bouche. Ils disent directement, ils disent, bon, le Congo n'est pas membre du Commonwealth. Le Congo n'est pas un champ d'action post-colonial britannique. C'est-à-dire qu'après 1885, nos pays africains ont été partagés par les pays européens. Et ce sont des équilibres qu'on ne change pas d'un jour au lendemain. Nous avons vu Madame Gbagbo venir ici quelques mois avant leur chute, prendre des langues un peu avec les Britanniques. Et là, nous avons remarqué directement, on a dit, mais Madame Gbagbo et le pouvoir Gbagbo est en train de commettre la même erreur qu'avait commise d'abord auparavant Pascal, le professeur Pascal Lissouba. Parce que rappelez-vous, le professeur Pascal Lissouba avait commis la même bêtise. Le professeur Pascal Lissouba voulait pratiquement changer les champs d'action post-colonial pour enlever le beefsteak de la bouche des Français, le beefsteak français qui est la République du Congo, et peut-être l'offrir aux Anglo-Saxons ou aux Chinois, aux autres. Mais il n'avait même pas eu le temps de faire ça. Le président Gbagbo, c'est la même chose. Il a voulu couper l'herbe au pied des Français en Côte d'Ivoire. Et pour comprendre ça, il faut voir un peu la sagesse de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Alors qu'il a battu l'apartheid, alors qu'il a combattu le pouvoir blanc, lorsqu'il prend le pouvoir, il n'a pas chassé le pouvoir blanc immédiatement. Parce que ces équilibres-là ne se bousculent pas facilement. Donc, aujourd'hui, le pouvoir congolais, avec tout ce qu'on voit actuellement, le pouvoir congolais qui n'arrive pas à appliquer les accords de la Saint-Sylvestre, aller faire ressusciter les accords avec la Russie, mais c'est tout le monde qui s'est dit, mais ces gens, est-ce qu'ils se croient un peu plus malins? Donc voilà, et pour moi, je dirais que c'est une grosse bêtise parce que ces accords-là risquent même de ne même pas être appliqués, qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, pour revenir pour le cas en l'espèce d'Herman Cohen, comme je disais, donc il est important pour ceux qui font la politique chez nous d'avoir de longs yeux et de longues oreilles. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se renseigner. Il faut essayer d'être dans certaines écoles. Et lorsque vous pensez que vous n'en savez pas assez, adressez-vous à ceux qui le savent pour qu'ils puissent vous expliquer, parce que sinon, vous allez faire des mauvaises analyses. Parce que nous parlons de la géopolitique internationale, vous avez vu ce qui s'est passé ce matin, à l'heure de Londres et de Paris, 9h30 heure où le président américain et le président nord-coréen se sont retrouvés. Mais pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique internationale, ces deux messieurs-là ne se sont pas retrouvés pour jouer aux cartes. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes internationales qui vont commencer à se changer et qui vont commencer sûrement à s'échanger. Et de quelle façon, ça, il faut avoir des longues oreilles et des longs yeux pour le remarquer. Et il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui a commencé hier, qui a commencé avant-hier. Aujourd'hui, il y a un livre qui venait de sortir ici sur la chute de Muammar Kadhafi, parce que les gens pensaient que Muammar Kadhafi est tombé à cause de lorsque cette insurrection a commencé en Libye. Nullement. La CIA était déjà en Libye des années auparavant. Ils étaient en train de chercher quel est l'événement qui va leur permettre de mettre en application le changement en Libye. Parce que n'oubliez pas que lorsque Muammar Kadhafi avait pris le pouvoir en Libye, il avait coupé aussi l'herbe au pied des Américains parce qu'il avait nationalisé les puits de pétrole. Donc, je reviens, il y a l'actualité internationale qui est en train de bouger.
Et ça va bouger aussi en RDC. Et donc, ça invite les uns les autres à se calmer les nerfs. Ça invite notamment les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa d'avoir des longues oreilles et d'avoir des longs yeux, notamment de lire les leçons de notre histoire immédiate. Et comme vous savez, je dis ça à la fois, parce que même chez nous au village, on dit ça que lorsqu'il y a danse au village, on ne donne pas le tam-tam entre les cuisses de n'importe qui pour le battre. Donc, le pouvoir doit lire les signes des temps. Le pouvoir et tous ceux qui se disent être autour du pouvoir, ils doivent éviter d'avoir des réactions épidermiques. C'est pas le temps d'avoir des réactions épidermiques. C'est le temps de regarder la réalité en face. C'est le temps de se faire la remise en question. Donc, je vais, comme je dis, inviter les uns et les autres à relire ce livre de M. Herman Cohen, publié, dont la version française a été publiée à Kinshasa. Je vais prendre, par exemple, quelques phrases. Je tombe comme ça. Il dit, par exemple, des leçons qu'il tire de sa fréquentation avec tous ces hommes forts africains. Il dit, une des leçons dit que la classe dirigeante de la première génération africaine a toutefois eu à son crédit une réalisation importante. La plupart des Africains se considèrent comme citoyens de leur pays respectif et ont le sens de la nation. Alors il faut retourner cette phrase aujourd'hui. Et il dit, en République démocratique du Congo, où Mobutu régna en chef suprême pendant 31 ans, les gens ont un sentiment général d'être des ressortissants congolais vivant en RDC. Maintenant, il faut renverser ça. Aujourd'hui, tous les politiciens congolais, M. Martin Fayulu, que nous avons reçu ici au Royaume-Uni, nous a dit le grand problème actuellement aux Congolais, c'est l'État n'existe plus. C'est que les gestionnaires de l'État ne gèrent pas l'État comme étant l'État. Donc l'État congolais aujourd'hui a des problèmes. L'État congolais aujourd'hui a des problèmes même dans le respect de ses propres accords, les accords de la Saint-Sylvestre. Alors vous pensez que la Russie est si sotte pour voir qu'aujourd'hui on s'est réveillé pour remettre sur la place publique les accords signés il y a quelques années? Point d'interrogation. Donc, je tombe, je vais par exemple prendre une page là où il parle de Mobutu, par exemple. Il dit par exemple, voilà, nous par exemple, on savait que Mobutu, on a eu le discours de la démocratisation le 24 avril 1990, mais même quand il dit plus tôt, en mars 1990, donc un mois avant le discours de la démocratisation, le secrétaire d'État James Baker, dont son chef, avait rencontré Mobutu en marge des cérémonies d'indépendance de la Namibie. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait déclaré qu'il était impératif qu'il s'engage dans un processus de transition vers le multipartisme démocratique, faute de quoi il serait balayé par les forces du changement. Donc, un mois avant que nous puissions avoir le discours de la démocratisation, Mobutu, on avait déjà mis sous ses oreilles que s'il ne changeait pas, il allait être balayé. Et dans ce livre aussi, c'est intéressant de voir, par exemple, la chute de Samuel Doe, qui avait un soutien des Américains, de voir, par exemple, comment est-ce que les Américains avaient lâché Savimbi, parce que Savimbi, c'était le pion des Américains. Mais lorsque Savimbi n'avait pas compris que l'histoire avait basculé et qu'on le lui faisait comprendre, il ne l'a pas compris. Donc, tout ce que l'appelle aujourd'hui, c'est que il faut essayer de lire les signes de temps, il faut se calmer les nerfs. Il faut faire appel à certaines personnes qui peuvent analyser les choses froidement, qui peuvent comprendre les choses froidement, éviter des réactions épidermiques et éviter d'aller d'irrégularité en irrégularité. Je vais finir pour vous inviter à partager deux petits livres que j'ai reçus aussi dans ma petite bibliothèque. Il y a le livre de l'abbé Pinipini, Néné. L'Afrique est en danger, mobilisons-nous contre la traite et l'esclavage perpétuel. Et suivi, et l'abbé essaie d'écrire là un manifeste de la Renaissance africaine. Très intéressant parce que, comme je l'ai dit,
Très souvent, lorsque nous analysons les choses, nous ne les analysons pas en profondeur. Et là, l'abbé fait une petite analyse. C'est un livre de quelques pages qui peut se lire d'un trait. Je l'ai lu en une soirée, 50 pages. C'est parce que lorsqu'on a vu l'histoire de nos frères qui ont été vendus en Libye, tout le monde s'est levé pour dire, mais ça n'avait pas commencé là. La chose est plus grande et plus profonde. Il faut poser, il faut aller en profondeur. Il y a aussi un livre très intéressant que j'ai reçu aussi de mes amis de Père de Saint-Paul. Il est de Yaya Hassani. Vraiment, Congo, une tribu. Il pousse, il fait il écrit des petites plaquettes en trois langues, en lingala, en français et en swahili. Et essayer un peu de raconter le Congo en profondeur. Voilà. Ce sont quelques livres que je vous invite, avec notamment, comme je vous l'ai dit, le livre de Man Coin qu'il faut lire. Nous allons vous l'analyser dans nos prochaines émissions. Nous allons aussi, nous allons vous analyser le livre de Man Coin, tous ces dirigeants africains, tous ces hommes forts africains qu'il a rencontrés, les leçons à tirer. Les deux livres de Thomas Kanza, Conflict in Congo pour les gens qui ne peuvent pas lire l'anglais ou la version française à décortiquer pour tirer les leçons, voir, parce que c'est intéressant de voir la chute de Lumumba, comprendre comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé et quelles sont les leçons que nous devons tirer aujourd'hui. Rappelez-vous les deux choses que j'ai dit au début, ceux qui en font partie ne savent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne disent rien. Lorsqu'on a parlé dans ces choses ici, il n'y a pas de l'improvisation. Lorsqu'on a parlé, on a dit à François Mitterrand que son ministre de la Santé, Kouchner, était en train de réaliser de grandes choses, notamment le médecin, mettre en place le groupe, l'ONG Médecins Sans Frontières. François Mitterrand a dit, c'est mon ministre de la santé. Cela veut dire que ce qu'il est en train de faire là, il reçoit des ordres de ma part. Au revoir. Et pour vous qui devenez des accros de etc. TV pour une prochaine sortie, bye bye. Sua mama nene mangoya moyo emeo ai koi mongo I molumbu kuya hunde to yulunga nao makundu makumao anje gabriela ngokata kayemba otobe yo maina ango atempuendo atimango anemeo Apatava mueva bangolera o uya uye uina voi colo morongo pita na moro uina voi colo morongo pita na uya uye morongo bangolunga na o nyambelo la boya uina voi goba ni gana Itingolanga oro bali mau, minango amina ya mieo. Itingolanga oro bali mau, kuya uye, lungo bita na Congo tutu eu minango polele momo Congo que se me durango io
tombo wana misa suana matembo na boko kamie toyo kete ye ye to vinere na mbere moya uye miti kolanga no pale mao miti kolanga no pale mao miti kolanga no pale mao moya uye Tingulanga no palema, Nalia le niene mi, na sangu no tingulanga no palema, wempe tulangage no palema.